Ici, j'aime beaucoup cette illustration. C'est les troubles spécifiques des apprentissages en lecture et en expression écrite. Alors, donc je déclare toujours ne pas avoir d'intérêt avec des laboratoires ou des maisons d'édition de vente de matériel, puisque je suis orthophoniste libéral, comme ce matin, ça n'a pas changé entre-temps. Du coup, voilà, les troubles spécifiques des apprentissages en lecture et en expression écrite étaient autrefois appelés dyslexie, dysorthographie, mais c'est une terminologie quand même qui perdure. Et je vais essayer dans cette présentation de pouvoir vous présenter les dernières actualités et ce qui s'en dégage, puisque ce sont effectivement des troubles neurodéveloppementaux, comme l'a bien expliqué Séverine, qui impactent les capacités d'expression et ou, parce qu'on peut cumuler les deux, de compréhension à l'écrit. Donc moi, j'emploierai dans ma présentation la terminologie actuelle de troubles spécifiques des apprentissages en lecture et ou en expression écrite. Alors avant de s'intéresser aux troubles, on va s'attarder sur qu'est-ce que le langage écrit. Alors il existe deux axes dans le langage écrit qui ont un lien étroit. Il s'agit de la lecture et de l'écriture, puisque ces deux versants peuvent faire l'objet d'un trouble. Mais avant de s'intéresser aux troubles, il est aussi nécessaire de réaliser un bref panorama des mécanismes d'apprentissage de la lecture et de l'écriture sans trouble. En gros, comment est-ce qu'on apprend à lire? Comment ça se passe? Alors, lire, c'est être capable d'identifier de façon précise et rapide les mots écrits. Alors, Gouff et Thunmer, en 86, résument la lecture à la reconnaissance des mots écrits multipliée par la compréhension orale. Donc, en fait, on comprend que la compréhension orale et par conséquent le langage oral peuvent avoir un impact sur les capacités de lecture. Alors pour reconnaître des mots écrits, on distingue classiquement en fait deux voies de lecture. Ce qu'on appelle la voie d'assemblage, voie sublexicale, moi j'emploierai la voie d'assemblage, permet de faire correspondre en fait une lettre à un son et de décoder des mots réguliers comme par exemple balle ou jupe, mais aussi des mots qui sont inconnus, des mots qu'on ne connaît pas encore, qu'on appelle des pseudomots, comme par exemple bratilo ou garcifu. Voilà, on utilise cette voie pour lire. La voie d'adressage ou la voie lexicale, moi j'emploierai le mot adressage, permet d'avoir accès à la représentation orthographique des mots qui se trouvent dans notre lexique interne, dans notre cerveau. Elle est nécessaire pour la lecture des mots irréguliers, comme par exemple le mot femme. Effectivement, qu'on ne peut pas lire femme, c'est le mot femme, il faut le savoir. Et on ne peut pas céder de cette association entre la lettre et le son pour lire ce mot. Mais aussi, elle est employée donc pour les mots irréguliers, mais les mots inconsistants qui contiennent des graphies un petit peu ambiguës et qui peuvent se dire de plusieurs façons. Par exemple, écho, le ch, il peut faire parfois le son che, parfois le son que. Ou le ni, comme il y a un d à la fin, ça ne se lit pas ni, ça se lit ni. Donc pour tous ces mots-là, on va plutôt préférentiellement en fait, utiliser la voie d'adressage lorsqu'on les aura stockés en fait en mémoire ces mots. Un lecteur expert utilise de façon fonctionnelle, donc de façon tout à fait correcte, ces deux voies afin de décoder rapidement et précisément les mots. Alors, on peut imaginer ces deux voies de lecture avec l'illustration suivante. Vous avez la voie d'assemblage ici en rouge qui permet donc cette fameuse correspondance entre la lettre et le son. Ainsi, la lettre B qui fait le son B, quand elle est associée à la lettre A qui fait le son A, ça nous permet de lire la syllabe BA. Alors que la voie d'adressage, vous la voyez ici en jaune, elle permet d'accéder immédiatement à la lecture du mot sans décoder en son ou en syllabe. Ça, c'est le rôle de la voie d'assemblage. Et donc, cette voie d'adressage, elle stocke les représentations des mots dans notre petite bibliothèque interne de mots que vous voyez tout au bout de la route. Et donc, c'est grâce à cette voie de lecture que nous arrivons à lire instantanément les mots comme « longtemps »,« femme », »,« écho », »,« ni », dont l'orthographe est irrégulière ou ambiguë. Voilà, ces mots, on les aura préalablement en fait lus par la voie d'assemblage, la voie au niveau du pont, et puis au bout d'un moment, ils auront été vraiment photographiés et stockés dans la base de données, dans la petite bibliothèque. Et on les lira tout de suite longtemps, écho, femme, sans augmenter le coût de décodage.
Alors, il existe une chronologie d'apprentissage à la lecture. Ça ne se fait pas comme ça. En effet, l'enfant, il doit d'abord acquérir le principe alphabétique. Qu'est-ce que c'est? Il doit comprendre que les mots, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, sont composés en fait de plus petites unités, que sont les phonèmes ou les sons, hein, pour les mots à l'oral, et les graphèmes, donc les lettres, pour les mots écrits. Et que ces unités peuvent être mises en relation selon des règles de conversion bien explicites, bien conventionnelles. Et pour ça, il est intéressant de proposer à l'enfant un apprentissage explicite. On lui apprend donc les correspondances entre les lettres et le son. Et ça, c'est tout le travail qui est commencé au CP. Et même un petit peu avant pour les prérequis en maternelle, en grande section. Ensuite, l'enfant il peut utiliser ces règles de conversion entre les lettres et les sons, puis les appliquer afin de procéder à un décodage. Et là, on commence effectivement à décoder avec cette voie qu'on a vue, cette voie d'assemblage. Et peu à peu, l'enfant il va mémoriser des représentations orthographiques de plus en plus précises qui lui éviteront de procéder à un décodage lorsqu'il rencontre un mot connu. Et là, on arrive dans cette fameuse voie d'adressage, cette petite route de campagne qui nous permet d'aller piocher les mots dans notre bibliothèque interne. Alors, maintenant, on a vu, ça c'est pour la lecture. Pour l'écriture, qu'est-ce qui se passe? Écrire, en fait, c'est produire des mots à l'écrit. Et pour réaliser cette action, il faut à la fois connaître les règles de conversion des sons et des lettres, mais aussi connaître l'orthographe des mots. Alors, on sait qu'apprendre l'orthographe, c'est plus difficile qu'apprendre à lire. Parce que même les lecteurs experts, même en tant que lecteur expert, on lit plus de mots correctement que nous n'en écrivons. La raison pour laquelle acquérir l'orthographe, c'est plus difficile, eh bien, c'est que les sons ils peuvent s'écrire de plusieurs manières. Je vous donne par exemple le son O que l'on entend. Il peut s'écrire de plusieurs façons. Il peut s'écrire O-A-U, mais aussi E-A-U, ou encore bien O. Je pourrais même encore ajouter le O circonflexe. Or, lorsqu'on voit ces graphies, on sait que le son produit sera O. Mais lorsque vous prenez en écriture, eh ben là, il faudra sélectionner la bonne façon d'écrire. Alors que toutes les lettres, elles sonnent pareilles, elles ont le même son. C'est pour ça que c'est plus complexe et que l'apprentissage de lecture se base sur le principe alphabétique et la création des représentations orthographiques, tout comme la lecture. Mais comme les sons ils peuvent s'écrire de plusieurs façons, il faut avoir soit des connaissances générales, soit des connaissances qui sont beaucoup plus spécifiques. Alors, les connaissances générales, elles concernent donc des règles implicites, tandis que les connaissances spécifiques, elles sont stockées en mémoire. Pour la lecture, l'enfant, lui, il alimente ses représentations orthographiques, son stock, cette petite bibliothèque interne, et il les rend de plus en plus détaillées, au fur et à mesure qu'il devient expert dans la lecture. Alors, évidemment, il y a un lien entre lecture et écriture. Parce qu'en fait, le stock orthographique de notre bibliothèque, rappelez-vous, elle permet de conserver les représentations des mots au sein du lexique interne, et elle est alimentée par la lecture, qui vont de pair. Ainsi, l'orthographe entretient des liens très très étroits avec la lecture. De plus, après, aux alentours de l'âge de 8-9 ans, un petit peu après, l'enfant il acquiert principalement du nouveau vocabulaire par la lecture. On a vu ce matin au niveau des troubles du langage, troubles développemental du langage, qu'effectivement le vocabulaire c'était important de le travailler, mais à un moment dans le développement, c'est la lecture qui permet en fait encore d'impulser un gros mouvement d'apprentissage du vocabulaire. Ainsi, un enfant qui a des difficultés de lecture, il risque de subir l'effet Mathieu. Qu'est-ce que c'est que cet effet? En fait, c'est que le bon lecteur, il acquiert beaucoup plus de vocabulaire, tandis que le mauvais lecteur, il ne parvient pas à étoffer son lexique du fait de ses difficultés. C'est ce qui aura des répercussions à terme aussi sur son langage oral, avec une pauvreté du vocabulaire. Donc on peut résumer cet effet Mathieu, en fait, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, voilà, comme un peu dans l'esprit du capitalisme. Voilà pour la première partie sur en fait, ce que c'est que l'apprentissage écrit, de l'écrit. Et donc maintenant, on va s'intéresser au fameux trouble du langage écrit. Alors, le traité de neuropsychologie clinique de l'enfant rapporte une prévalence de ces troubles d'à peu près 5%. Donc, ils sont donc pas rares du tout. Et il est important de repérer les enfants qui présentent ces troubles afin de leur proposer un accompagnement adéquat.
mais tout enfant présentant quelques difficultés de lecture en CP ne présente pas nécessairement un trouble spécifique des apprentissages. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, le sex ratio, il est, donc de 5 pour, il est de, d'une fille pardon, pour trois garçons, mais il pourra exister un biais de recrutement dans les études. C'est pour ça que les chiffres sont pas non plus... Il est difficile d'avoir des chiffres très précis, mais on s'accorde à peu près aux alentours de 5%. Le DSM-5, rappelez-vous ce matin, qui est ce manuel diagnostique, il rapporte donc ce sexe ratio en faveur effectivement des femmes. Et enfin, la latéralité n'a pas d'influence sur l'apparition d'un trouble. C'est-à-dire que le fait d'être gaucher ou droitier, ben, on a vu qu'il n'y avait pas de prévalence pour développer un trouble spécifique des apprentissages. Alors, on parlait du DSM-5 que je vous avais présenté ce matin également, qui est ce manuel diagnostique, qui permet en fait qui est reconnu à l'international et permet de façon mondiale d'avoir effectivement une classification des troubles, et donc les troubles spécifiques des apprentissages en lecture ou en expression écrite font partie des troubles neurodéveloppementaux. Alors, le DSM-5 détaille plusieurs critères de diagnostic pour les troubles spécifiques des apprentissages. Donc, on a vu qu'il y avait pour la lecture, pour l'expression écrite, et aussi, comme l'a souligné Séverine tout à l'heure, pour l'apprentissage du calcul et de la logique aux mathématiques. Donc, moi, je vais m'intéresser que pour la partie lecture et expression écrite. Donc, on a un premier critère qui définit une difficulté importante à apprendre et à utiliser des compétences scolaires ou universitaires avec la présence d'un ou de plusieurs symptômes depuis plus de 6 mois. Et ça, malgré l'installation de mesures qui ciblent ces difficultés. Donc voilà, vous avez effectivement, dans le cas de troubles du langage écrit, les difficultés suivantes qui sont listées: difficulté à comprendre, épeler, une lecture inexacte et tout ce qui est rapporté effectivement ici. L'enfant doit donc présenter des difficultés dans le domaine du langage écrit, que ce soit en termes de précision, donc avec la présence d'erreurs, et ou, parce que ça peut s'accumuler, de vitesse, donc mettre en évidence une certaine lenteur. Le deuxième critère précise que les compétences scolaires ou universitaires sont bien en dessous du niveau attendu en fonction de l'âge de la personne, et que ces performances, elles sont déficitaires et elles interfèrent négativement sur la scolarité, les capacités professionnelles, parce qu'on n'oublie pas que ces troubles-là, ils sont également présents chez les adultes. Quand on a un trouble, ce type de trouble, il nous poursuit, et effectivement, même adulte, on a toujours des difficultés. Le troisième critère ajoute que ces difficultés peuvent apparaître au cours de la scolarité, mais qu'elles peuvent se manifester aussi que lorsque les attentes sont trop élevées comparativement aux capacités limitées. C'est-à-dire que le trouble peut ne se pas manifester jusqu'à un certain point où effectivement on va avoir des exigences, notamment scolaires, qui vont faire qu'à un moment, on ne va plus pouvoir compenser les difficultés, ça va révéler effectivement le trouble. Et enfin, quatrième critère, c'est qu'on ne peut pas expliquer en fait ce trouble par d'autres conditions, notamment effectivement médicales. Donc, il faut exclure qu'il y ait un handicap intellectuel, il faut exclure des troubles auditifs ou visuels non corrigés, mais aussi des troubles neurologiques. Voilà. Un enseignement pédagogique aussi, ou inadapté, il faut l'exclure, parce que ce n'est pas la cause d'un trouble spécifique des apprentissages. Et donc, un enseignement pédagogique est inadapté, avec un enseignement qui peut utiliser, par exemple, une méthode globale, peut faire apparaître des difficultés dans le domaine du langage écrit, sans que ça soit la conséquence d'un trouble spécifique des apprentissages. Enfin, le DSM-5 il propose donc de différencier deux types de troubles, si je résume bien. On a effectivement le trouble avec déficit de la lecture, un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture, et la même chose sur le versant de l'expression écrite. Il précise aussi la sévérité du trouble. Si le trouble est léger, la sévérité est légère, est-ce qu'elle peut être moyenne ou alors grave? Et ça, c'est en fonction de l'intensité des déficits et des mécanismes de compensation qui sont aussi possibles en fonction de chaque individu. Alors, je vous ai fait une petite diapo sur la distinction entre types de dyslexie parce que ce sont des termes qu'on retrouve encore. On retrouve parfois des distinctions, on a essayé de classer différents types de dyslexie.
on parle de la dyslexie phonologique avec cette atteinte vous savez, de la voix du pont, la voix qui était en rouge que je vous avais montrée et qui touchera notamment la lecture des mots réguliers et des pseudo-mots. Et puis, la dyslexie de surface qui est en fait l'atteinte de la voix qui était jaune, une voix de campagne, dans l'exemple que je vous avais donné. Et voilà, qui touche particulièrement la lecture des mots irréguliers. Et enfin, la dyslexie mixte qui regroupe en fait ces deux déficits. Mais cette terminologie, cette classification, elle est plus adaptée parce qu'en fait, elle masque les déficits qui sont sous-jacents et qui sont communs et ça peut conduire à une intervention qui n'est pas adaptée. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère abolir en fait ces regroupements de types de dyslexie pour se concentrer sur en fait, mais pourquoi, quelle est l'origine en fait des difficultés de la dyslexie. Voilà, donc cette distinction a été faite en référence aux deux voies de lecture que nous avons vues au début et que je vous ai remis ici. Et du coup, la personne avec un trouble spécifique des apprentissages en lecture, elle associe mal les lettres et les sons, elle ne parvient pas à reconnaître un mot en faisant appel à son lexique interne rapidement, vous savez, cette petite bibliothèque. Et pour l'expression écrite, elle éprouvera des difficultés à créer ce stock-là et à augmenter le nombre de livres dans sa bibliothèque, si je fais la comparaison. Alors actuellement, il existe un consensus en faveur d'une piste génétique concernant l'origine, en fait, ou des apprentissages, notamment avec des études sur les jumeaux, qui semblent confirmer cette piste. Mais je vous avoue que l'origine est encore très, très discutée et qu'on est loin encore, et la recherche n'a pas encore livré tous les secrets de ces troubles. Plusieurs facteurs explicatifs sont évoqués aussi qui permettent d'expliquer les déficits sous-jacents qui interféreraient en fait avec l'acquisition du langage écrit. Donc, il y a une théorie explicative qui est celle d'un déficit phonologique avec une conscience phonologique faible. Alors, pour rappel, la conscience phonologique, c'est ce qui nous permet de manipuler les sons, de traiter l'information phonologique et donc des sons, ce qui signifie que l'enfant a du mal à identifier les sons présents dans un mot. On parle aussi parfois de difficultés de dénomination rapide, d'accès au stock qui est très faible, et enfin aussi de capacité de mémoire à court terme, qui est la mémoire qui est très impactée aussi, qui est parfois déficitaire très souvent dans les troubles spécifiques des apprentissages. Et alors, il y a d'autres théories qui évoquent aussi une atteinte visuelle, avec notamment effectivement l'empan visuel attentionnel qui est réduit, ou encore des déficits auditifs ou moteurs. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui essayent d'expliquer, mais on n'a pas encore en fait toutes les solutions et toutes les réponses. Alors, il me semblait intéressant de pouvoir parler de certains signes d'alerte et certains facteurs de risque. Des facteurs de risque existent dans l'apparition de ces troubles, avec notamment des antécédents familiaux. Excuse-moi, Vincent. Madame Lausanne, il faut couper votre vidéo et votre son. Merci. Ok, super. Donc, les signes d'alerte, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des antécédents familiaux, comme on a vu avec la piste génétique. La prématurité, effectivement, est rapportée par le DSM-5 comme un facteur de risque, mais on a aussi les troubles du langage, qui peuvent impacter fortement le développement de la lecture. Un faible stock lexical, peu de vocabulaire, la faible conscience phonémique, donc on l'a vu, c'est d'ailleurs un très fort prédicteur des compétences langagères en lecture, cette conscience phonologique ou phonémique. Et de même, un enfant qui a du mal à acquérir le nom des lettres, c'est tout autant de signes d'alerte qui nous permettent de suspecter ce type de trouble. Alors, du coup, voilà pour la petite présentation sur la terminologie, sur le repérage. Maintenant, on va parler un petit peu du bilan orthophonique qui peut conduire effectivement à révéler, à diagnostiquer ces troubles. Alors, ce matin, je vous ai parlé un petit peu effectivement de cette difficulté d'accéder au bilan orthophonique, surtout dans notre département, et qu'il y avait plein d'éléments qui pouvaient l'expliquer. Mais quoi qu'il en soit, l'orientation d'un bilan orthophonique, elle n'est pas toujours pertinente parce qu'il y a des difficultés pour les troubles du langage oral et écrit, du moins, des difficultés qui ne sont pas toujours liées à un trouble.
Et ça, en fait, il y a un travail notamment qui, je pense, est encore amené avec les écoles, avec les médecins prescripteurs, qui orientent parfois les familles pour un bilan orthophonique, alors que ce n'est pas forcément en fait, nécessaire. Dans la présentation, c'est une troupe du développement en langage, du langage oral. J'avais parlé, vous savez, de cet aspect de filtre pour pouvoir accéder. Donc, avant de demander le bilan orthophonique, intéressant d'effectuer un filtre pour arriver jusqu'au bilan orthophonique. Et donc, on avait pris l'exemple de ce fameux entonnoir, vous vous rappelez, où il y a une alerte qui est donnée. Alors, souvent, c'est l'enseignant, hein, puisqu'effectivement, l'apprentissage de la lecture se fait voilà, au CP. L'enseignant qui alerte, et donc qui doit donner lieu, effectivement, à un dépistage qui peut être proposé par l'infirmière scolaire, mais pas que. Hein, il y a d'autres professionnels aussi qui peuvent proposer un premier dépistage. Et ce dépistage, en fait, si il révèle qu'il y a effectivement un risque de trouble d'apprentissage, peut conduire à la consultation médicale avec le médecin généraliste, par exemple, qui décidera de prescrire ou non un bilan orthophonique. Donc ça, c'est le filtre, parce que je vous avoue que je pense, je ne sais pas si les orthophonistes qui sont peut-être participantes qui sont dans la... qui suivent ce webinaire, pardon, mais la majorité des demandes qu'on a, ce sont beaucoup pour effectivement ces aspects de langage écrit, de lecture et d'orthographe. Et parfois, c'est pas forcément après le bilan orthophonique, c'est pas forcément effectivement nécessaire, ou c'est pas forcément un trouble, comme on peut l'appeler, un trouble spécifique des apprentissages. Donc, ce filtre me semblait intéressant, c'est pour ça que je voulais vous en faire part dans cette présentation. Donc, il y a un premier travail à mener, comme vous l'avez compris, sur le dépistage. Et on a plusieurs outils qui peuvent être faits passer par les enseignants, les infirmières scolaires, les médecins scolaires également, pour effectivement me dire, est-ce que j'ai un enfant qui n'est plutôt pas à risque, un enfant qui est à surveiller ou un enfant qui va être à risque de développer un trouble spécifique. Donc, vous avez voilà, la BSEDS, le BATLM ou le TIMETEU que vous pouvez retrouver. Il y a aussi des outils qui existent pour les médecins, hein, vraiment qui ont été conçus spécialement pour eux, parce que la consultation du généraliste elle est en général très courte. Et voilà, la BMTA est vraiment très très rapide et est faite pour eux et pour ce temps limité, pour déjà en fait avoir un dépistage qui est un peu plus approfondi et qui sera encore plus approfondi avec la BMTI, qui lui permettra notamment aux médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, hein, d'orienter vers d'autres bilan que celui orthophonique, parce que parfois c'est pas forcément les difficultés de langage écrit et de lecture ne sont pas forcément liées à un problème traité en orthophonie, mais ça peut être de nature d'origine visuelle, voilà, orthoptique par exemple. Et donc après la consultation médicale, il peut être indiqué le recours au bilan orthophonique, et c'est là que commence la recherche du professionnel avec, on sait, toutes les difficultés à trouver. Donc, je vous l'avais évidemment dit ce matin, l'orthophoniste travaille sur prescription médicale, c'est un auxiliaire de santé. Et le bilan orthophonique consiste à administrer, mais pas que, on va le voir après, des batteries en fait, de langage pour situer l'enfant, comment, où est-ce qu'il se situe par rapport à des scores chiffrés, par rapport à une moyenne, et voir si, effectivement, par rapport à cette moyenne d'enfant, il se situe. Est-ce qu'il est dans cette moyenne ou est-ce qu'il s'en écarte plus ou moins, pour pouvoir en fait poser un diagnostic ou une hypothèse diagnostique. Donc, il y a des batteries qui s'appellent voilà, notamment les Valeo, d'autres batteries qui s'appellent les Exalang, et en fonction de l'âge, ils peuvent aller de 5-6 ans jusqu'à, parfois effectivement, on a des batteries qui vont même jusqu'à l'âge adulte, hein, même après à la faculté, hein, jusqu'à la fac. Donc, quand je vous le disais, le bilan orthophonique, ce n'est pas seulement des tests à faire passer, il s'inscrit aussi dans une démarche beaucoup plus globale. Et c'est la même chose que ce matin pour les troubles du développement, les troubles développementaux du langage oral. C'est la même chose, on recueille une plainte, on fait l'anamnèse, c'est-à-dire qu'on va fouiller un petit peu comment s'est passé les premiers stades de développement de l'enfant, les premiers mots, identifier les facteurs de risque ou les comorbidités. Voilà, l'histoire familiale aussi médicale. Et puis, l'orthophoniste va faire passer ses tests. Il y a bien un moment où il faut le faire. Et il choisit ses épreuves. Il est un peu comme un enquêteur. Et parfois, il va avoir des indices qui vont lui être révélés lors du bilan pour proposer d'autres tâches.
voilà, il va vraiment mener ce travail d'enquête, c'est vraiment une réflexion voilà, intensive. Puis après, quand on a terminé le bilan, il va y avoir une analyse des résultats et du compte-rendu, qui est une part, c'est la phase cachée, un petit peu, que les familles ne voient pas, mais qui nécessite, nous, un travail important après d'analyse en dehors de, enfin, du travail avec l'enfant. Et un compte-rendu est rédigé, remis aux parents lors de ce qu'on appelle la restitution, qui est un moment d'échange avec les responsables légaux, où on remet le compte-rendu, compte-rendu obligatoire, je le rappelle à nouveau, et une copie qui est également adressée de ce compte-rendu au médecin prescripteur. Alors du coup, dans son bilan, l'orthophoniste, il fait passer des épreuves forcément de lecture, puisque si la plainte relève sur la lecture, ben, il va falloir faire lire l'enfant. Et donc on lui fait lire notamment des textes, des phrases, mais aussi des mots et des pseudo-mots, des mots qui n'existent pas, justement pour évaluer et regarder comment fonctionnent ces deux voies de lecture. On va aussi le faire écrire. Et donc, c'est vraiment le pendant de la lecture, des paragraphes, des phrases, des mots et des non-mots pour tester les deux modalités. On va également lui faire pratiquer des épreuves de langage oral, parce que comme je vous l'avais dit un peu plus tôt sur les mécanismes de la lecture, et bien, le langage oral il est fortement corrélé aussi au langage écrit. Et il peut y avoir un trouble du langage qui n'a pas été diagnostiqué avant et qui en fait a un impact sur la lecture et sur l'écriture. Et surtout aussi, on va s'intéresser à ces mécanismes sous-jacents qui permettent d'expliquer mais pourquoi ça ne va pas au niveau de la lecture. Et ces mécanismes sous-jacents, il y en a trois. Il y a ce qu'on appelle la conscience phonologique, donc manipuler et identifier les sons. Il y a ce qu'on appelle la mémoire à court terme et la mémoire de travail qui permettent à l'enfant de maintenir une information tout en travaillant dessus. Et ça, cette mémoire, elle est très, très impactée, on sait, chez les enfants avec des troubles spécifiques des apprentissages. Et enfin, ce qu'on appelle l'empan visio-attentionnel, qui est cette fenêtre d'attention qui nous permet d'englober, en fait, plus ou moins d'informations visuelles. Je vous mettrai en situation un peu plus tard, comme ce matin, pour vous montrer ce que c'est que l'empan visio-attentionnel. Et puis, une fois que voilà, l'orthophoniste a regardé tout ça, il analyse et puis il doit poser un diagnostic, puisque le diagnostic des orthophonistes, il doit être posé. Depuis 2002, les orthophonistes posent des diagnostics orthophoniques, pas médicaux, hein, mais orthophoniques. Donc, on est capable, les orthophonistes doivent poser des diagnostics de troubles développementaux du langage ou de troubles spécifiques des apprentissages, que ce soit pour la lecture ou l'expression écrite. Voilà, il peut poser un diagnostic ou des hypothèses, parce qu'effectivement, il peut y avoir des hypothèses, parce que parfois, il y a certains cas qui sont simples, mais d'autres, on peut expliquer des difficultés de langage, de lecture, mais pas forcément d'un point de vue orthophonique, parce qu'il peut y avoir une surdité légère, par exemple, un trouble attentionnel ou d'autres choses qui viendraient impacter les apprentissages en lecture et en orthographe. Et donc, il faut recommander des examens complémentaires auprès du psychologue spécialisé en neuropsychologie, du psychomotricien s'il y a des problèmes au niveau de l'orientation dans l'espace, le bilan ophtalmique ou orthoptique ou un rendez-vous chez l'ORL. Tout ça, l'orthophoniste peut effectivement voir et orienter vers aussi des professionnels qui vont pouvoir aider l'enfant. Et enfin, il existe un continuum, c'est ça qui est important à rappeler aussi, entre les enfants qui apprennent à lire normalement, qui n'ont pas de soucis, et le trouble spécifique des apprentissages. C'est vraiment un continuum, ce n'est pas vraiment deux choses tout à fait distinctes, mais c'est sur une même ligne. Il y a des enfants qui sont juste très très en retard et d'autres qui se débrouillent beaucoup. Et donc on fixe, ça Séverine en avait un petit peu parlé aussi, un seuil pathologique, c'est complètement statistique, et on dit que à partir de moins 1,65 écart type, c'est-à-dire que les résultats des enfants aux épreuves, ils s'écartent de moins 1,65 écart type par rapport à la norme, et du coup, ça signifie un peu le seuil pathologique. Mais là, encore une fois, il ne faut pas se fixer sur ce seuil parce que ce n'est pas ces chiffres, ce n'est pas les chiffres à eux seuls qui déterminent un diagnostic. C'est vraiment la démarche globale avec aussi les répercussions, comme on a vu dans le DSM-5, sur
Bah, la vie quotidienne. Alors voilà, du coup, on est calé sur le diagnostic. Maintenant, est-ce qu'on passe à la rééducation orthophonique? Et on va voir, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait en rééducation orthophonique. Ce matin, j'avais évoqué la démarche scientifique. L'orthophonie, c'est une profession de soins. Donc, on s'attache aussi, de façon de manière simple, en tout cas pour ma pratique, bah, voilà, aux données récentes de la littérature scientifique. Et que nous dit la recherche scientifique sur ces troubles? Et donc, pour pouvoir faire ça, on s'inscrit dans cette démarche scientifique qui est l'evidence-based practice, puisque tous les traitements ne sont pas équivalents, ils n'ont pas le même degré de preuve et d'efficacité, et ils ne sont pas non plus. Enfin, certains sont a priorisés plutôt que d'autres, parce que certains sont efficaces, d'autres non. Et donc, le thérapeute, il guide ses choix thérapeutiques dans cette démarche scientifique, en prenant en compte vraiment la recherche avec les meilleures données, en appliquant effectivement l'expertise, et en développant son expertise, et également en prenant en compte, et ça c'est vraiment, je l'avais dit ce matin, vraiment le patient et le contexte dans lequel la famille, l'enfant, dans lequel va intervenir la prise en soin en orthophonie. Vraiment, je vous renvoie vraiment pour, si vous voulez creuser sur cette démarche, à ce matin et à l'explication que j'en avais donnée un peu plus approfondie. Du coup, en séance d'orthophonie, que fait-on? Eh bien, on va travailler sur à peu près, voilà, c'est cet axe-là. Et bien sûr, en fonction du profil de l'enfant. Un enfant avec des troubles spécifiques des apprentissages, il ne va pas présenter forcément tout ça. Et on choisira vraiment avec soin ce qu'on peut travailler. Et d'ailleurs, on travaillera ce qui est pas forcément, comment dire, ce qui n'est pas, enfin, ce qui est déficitaire. Mais on travaillera aussi ce qui est plutôt, ce qui marche bien pour le renforcer et pour permettre à l'enfant de bah, compenser aussi ses difficultés avec ses points forts. Donc, je vous ai parlé effectivement de la conscience phonologique. Donc, ça, c'est comme ce matin, il y a effectivement les aspects de rime hein, qu'on peut identifier, qu'on peut travailler avec des associations de rime, de jugement, si effectivement les mots riment ensemble, identifier quelle est la rime commune entre deux images. Ça, c'est un premier niveau, mais on avait vu aussi également qu'on peut travailler au niveau de la syllabe avec des exercices qui se concentrent sur l'identification d'une syllabe. Est-ce que cette syllabe est présente dans les mots? Est-ce que je l'entends ou est-ce que je ne l'entends pas dans les mots? Combien est-ce que je peux compter de syllabes sur cette image? Et enfin, identifier où en fait, se situe dans le mot la syllabe que je cible. Un troisième niveau pour la conscience phonologique, c'est de cibler les exercices sur le son, le phonème, on appelle ça, nous, de manière un peu plus technique, de cibler vraiment sur l'aspect le plus petit, la plus petite unité du son, avec des exercices qui ressemblent un peu au précédent, mais ciblés sur le son. Pour un détail, c'est pareil, je vous renvoie à la présentation de ce matin en langage oral. On va essayer également travailler cet axe qui est la discrimination des sons, donc en lien avec la conscience phonologique, mais là vraiment de faire la différence. Voilà, si je dis de, est-ce que tu as entendu le de ou est-ce que tu as entendu le te? Avec ce logiciel RAPDIS, validé, qui est un logiciel validé, voilà, il y a une petite boule qui tombe et l'enfant doit décider avec la flèche si ce qu'il a entendu c'était le de ou le te pour nourrir le personnage orange ou le petit personnage bleu. Comme vu ce matin aussi, bah, on va monter la lecture. On va, si chez les enfants qui n'ont pas encore acquis ou pour qui la lecture vraiment est très très compliquée à démarrer, on va vraiment faire un montage de la lecture, son par son, progressivement. Et ce travail il peut être effectué avec des méthodes de lecture, comme la méthode Borel, avec une méthode par geste, qui permet en fait d'aider l'enfant à visualiser aussi d'une façon motrice le son qui est produit et de l'associer effectivement à une représentation écrite et visuelle. Peut-être vous connaissez également la planète des alphas, qui est un best-seller, il me semble,
Et très récemment, il y a eu la méthode APIMI, développée par un orthophoniste qui est aussi paru. Et toujours, quand on va monter la lecture, on va travailler les autres axes en parallèle, notamment cette conscience phonologique, pour en fait renforcer, puisqu'il est montré, les études montrent que travailler la lecture avec la conscience phonologique, ça favorise les acquisitions de la lecture et de l'écriture, notamment avec la revue de Segate en 2016 qui vient de confirmer ces résultats avec ceux qui étaient déjà plus anciens. Un autre axe, ça va être effectivement d'augmenter la vitesse de lecture, puisque on a vu que le trouble spécifique des apprentissages en lecture et en expression écrite était aussi dû à un déficit au niveau de la vitesse. Et donc pour ça, on va travailler, on va entraîner à la lecture en répétition, vraiment faire répéter des syllabes, des mots, des phrases, alors pas une répétition orale, mais une répétition écrite, jusqu'à obtenir en fait une vitesse de production souhaitée. Et ça, c'est possible avec des outils papier, comme par exemple voilà, les deux matériels que je vous présente ici, où il y a une grille, vous voyez, de mots, et l'enfant va lire de gauche à droite et, pendant une minute. Et au bout de la minute qui va s'écouler, on va colorier là où il s'est arrêté. On va voir avec lui quels sont les mots où il s'était trompé. Comme ça, on va les relire une deuxième fois. Et on va lui redemander pendant une minute de relire à nouveau les mots. Et en fait, le but, c'est que l'enfant progresse et qu'il atteigne effectivement un palier plus loin que ce qu'il avait lu au premier essai. Alors, j'espère que je suis clair. Et donc, il y a quelque chose d'important aussi à préciser, c'est que quand l'enfant est en train de lire, donc de faire cet exercice, dès qu'il se trompe, on le corrige. On le corrige parce qu'on ne veut pas qu'il fixe une mauvaise lecture du mot, une mauvaise image orthographique et qui stocke, vous savez, dans la bibliothèque, ben en fait, une représentation qui n'est pas bonne. Donc, on corrige tout de suite pour ne pas qu'il fixe l'erreur. Mais on peut aussi travailler, non plus en papier crayon, mais avec des outils numériques, parce qu'il y a aussi des outils numériques et l'utilisation des écrans qui peuvent être très favorables et aider, notamment pour tout ce qui est lecture, avec des applications comme Graphogame, qui a été développé par Ruiz et collaborateurs en 2017, ou encore un logiciel comme le logiciel Logatron, qui permet de paramétrer en fait vraiment tout comme on veut les lettres, les mots, les graphies que l'on souhaite travailler ou non. Alors un autre axe, si effectivement l'enfant, et bien finalement il est lecteur. Donc, on n'est pas au tout début des apprentissages. Il est lecteur, mais par contre, il fait vraiment beaucoup, beaucoup d'erreurs dans sa lecture. Eh bien, on va travailler sur ces erreurs spécifiquement. Et des types d'erreurs qu'on peut rencontrer, ce sont ce qu'on appelle des erreurs de confusion. Donc, notamment, là, vraiment l'exemple parlant, c'est les confusions avec le D, le B, le Q, le P, qui sont effectivement la même forme, mais dans des positions différentes. On peut aussi travailler sur des graphies que l'enfant ne maîtrise pas. Donc là, j'ai pris l'exemple des digraphes, hein, de tous les digraphes du français qui sont associés à une couleur et qui, voilà, peut-être potentiellement aident à fixer la bonne orthographe. Et on pourra faire la même chose avec des trigraphes, hein, les sons 1 qui s'écrit A-I-N ou E-I-N, avec des exercices ciblés sur la difficulté spécifique de l'enfant. Et enfin, on peut travailler sur des inversions, hein, qui sont des erreurs fréquemment rencontrées, où effectivement, les enfants vont lire, au lieu de dire plat, il va lire pâle, au lieu de lire gold, il va lire glow. Et donc, voilà, je vous ai mis un exemple de jeux qui peuvent se trouver en plus dans le commerce, tout venant, les éditions Tam Tam, jeux Tam Tam, avec plein de thèmes sur les inversions, mais vous avez aussi des confusions BD qui peuvent être travaillées. Encore un autre point qui va être important à travailler, c'est cette orthographe lexicale. Donc ça, on travaille notamment en transcription, en écriture. On a vu que la lecture aidait de toute façon à renforcer les compétences orthographiques. Donc lorsqu'on fait de la lecture, on travaille aussi l'orthographe. Donc là, c'est un axe qui est un peu plus développé sur l'orthographe. Et donc notamment l'orthographe lexicale, qu'est-ce que c'est ? On appelle ça l'orthographe lexicale parce qu'il faut savoir en fait comment s'écrit le mot.
Je m'explique. Par exemple, le mot chapeau, on sait qu'il s'écrit EAU à la fin et non pas O ou AU. Et il faut donc savoir que, que ces entraînements effectivement, en lecture ont un effet sur l'orthographe lexicale, mais qu'on peut la travailler avec, spécifiquement avec des outils suivants qu'on appelle voilà, notamment l'orthographe illustrée, qui sont des techniques développées par Sylviane Valdois, déjà dès 2003, où en fait on associe en fait la forme écrite du mot à un dessin pour que l'enfant puisse mémoriser beaucoup mieux, aider à l'encodage de l'information, la mémorisation de l'information pour stocker dans, vous savez, cette voie d'adressage et cette bibliothèque interne une meilleure image, une meilleure représentation des formes orthographiques. Donc, je vous ai mis mon orthographe illustrée, mais vous avez aussi toute une collection de jeux qui sont disponibles dans le commerce qui s'appelle Dessine-moi un mot. Et en plus, c'est travaillé de façon assez ludique, ce qui plaît aux enfants. Voilà, le dernier axe rééducatif, ça peut être celui de l'empan visuo-attentionnel. Vous savez, cette fenêtre qui permet en fait d'engrammer, de visualiser un grand nombre d'informations. Parce que quand vous lisez un texte, vous ne vous focalisez pas sur chaque mot un par un. Non, vous visualisez une fenêtre plus large avec les mots qui sont à côté et parfois même beaucoup plus loin. Et donc, on sait que c'est un facteur explicatif aussi de un déficit sous-jacent et donc qui peut expliquer les troubles spécifiques des apprentissages en lecture. Et donc, je vous ai mis effectivement un petit exemple, comme ce matin, où voilà, vous allez regarder bien le centre de l'écran et vous allez voir apparaître un point. Il faut bien le regarder parce qu'il va être très vite remplacé par la séquence de lettres et que les lettres reste affiché que très peu de temps. Donc, il faut bien faire attention et me dire toutes les lettres que vous aurez lues. Donc, ANSC, oui, mais moi, je ne sais plus trop. On va faire un deuxième essai. ANSCPE. Parfait. Là. Et là, vous voyez, pas si évident que ça non plus, mais effectivement, c'est ça qu'on appelle effectivement l'empan visuo-attentionnel qui permet d'avoir une fenêtre bien ciblée d'attention. Donc là, je vous dis, ça c'est l'épreuve en fait de bilan, voilà, qui nous permet de dépister effectivement ce type de trouble. Qui est le pendant, mais pour la rééducation, puisqu'il y a vraiment une rééducation spécifique pour ces déficits. Alors, donc on a vu un petit peu ce qu'on faisait en orthophonie, et il me semblait important de parler du lien orthophonie-école, parce que les difficultés rencontrées par les enfants porteurs d'un trouble spécifique s'expriment particulièrement à l'école, dont les exigences reposent forcément sur le langage écrit. Toutefois, voilà, s'exposer à l'écrit, ça permet à l'enfant de s'entraîner et ou de renforcer ses mécanismes de compensation. Puisque les enfants, ils sont vraiment très malins, ils ont aussi beaucoup de capacités, ils peuvent compenser, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, mais en fait, ils déploient une énergie folle pour pouvoir pallier leurs difficultés. Et ça se traduit par la lenteur. Donc, c'est pourquoi l'enfant, il doit avoir une stimulation scolaire pour progresser en langage écrit. Il ne faut pas enlever tout le langage écrit, parce que c'est ça qui lui permet aussi de s'améliorer. Donc, l'aide qu'apporte la prise en soin orthophonique, elle se doit d'être associée aux aménagements scolaires pour se montrer efficace. Parce que ces aménagements permettront à l'enfant de bénéficier de l'enseignement scolaire sans que le trou il soit en fait un obstacle à ses apprentissages, ou du moins dans un degré moindre. Donc, en fait, la pratique clinique, elle montre que l'enfant il progresse avec ce partenariat en fait, pédagogique, enfin, projet pédagogique d'aménagement, rééducation orthophonique. On voit qu'il y a effectivement des progrès qui sont cliniquement qui sont notables, et ainsi qu'une meilleure estime de soi, parce qu'effectivement, hein, être confronté beaucoup à l'échec, ça n'aide pas à avoir une bonne estime de soi, alors que les aménagements scolaires permettent, avec l'orthophonie, de l'améliorer, et du coup à l'enfant de progresser. Alors, ces aménagements peuvent avoir un impact sur le renforcement des processus de lecture et participent au traitement du trouble.
au même titre que la bienveillance des enseignants et une pédagogie adaptée. Toutefois, il ne faut pas s'attendre en fait à des résultats immédiats de la prise en charge orthophonique ou une normalisation avec les interventions, qu'elles soient scolaires ou orthophoniques, parce qu'en fait, la rééducation orthophonique, elle donne potentiellement lieu à des effets, mais plus tardifs. Alors que les aménagements pédagogiques, eux, ils ont un effet qui est beaucoup plus visible sur le court terme. Forcément, on va alléger la charge, le coût, et du coup, on va pouvoir voir que l'enfant, du coup, ça va être beaucoup plus facile pour lui. En réalité, j'avoue qu'il est difficile en fait, de mettre en place ce partenariat, du moins de mon expérience. Il y a même une étude qui était deux études qui étaient sorties en 2011, l'étude d'Anderson et Meyerhead et Leloup et Springer-Charol, qui montraient que il était difficile pour les familles de s'appuyer sur des personnes ressources pour en fait, gérer ce partenariat entre les professionnels de santé, orthophonie et l'école, et ça, quel que soit le pays, dans plusieurs pays. Et ce partenariat, il est même quasiment inexistant, c'est ce qui ont rapporté ces études. Alors, c'était il y a 10 ans, il y a probablement beaucoup de choses qui ont changé, mais ça reste quand même, moi je le vois en pratique clinique, difficile. Et pourquoi c'est difficile de mettre en place ce partenariat? Tout simplement par manque de temps et aussi par manque de moyens. Parce qu'il faut savoir que ce sont des actions qui, si elles peuvent être mises en place à l'école, en fait, pour les professionnels de santé, ce sont des actions qui ne sont pas rémunérées et qui nous obligent, nous professionnels, à, si on doit aller en réunion d'équipe éducative et mettre en place ce type de projet, en fait, à prendre déjà le temps de transport aller et retour, ensuite de passer 1 heure, 1h30, 2 heures, ça dépend combien de temps ça dure, et donc de fermer effectivement nous toute une demi-journée du cabinet, et à titre effectivement bénévole, parce que ce ne sont pas des actes qui sont reconnus dans la nomenclature des orthophonistes, qui ne donnent pas lieu à un remboursement. Voilà, alors dernier point aussi, avec ce lien entre l'orthophonie et l'école qui me semblait important à évoquer, c'est que l'orthophoniste, il est soumis au secret professionnel, secret médical, et qu'il ne peut pas remettre le compte-rendu à l'école. Alors, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est simplement que c'est la loi. Il ne s'agit donc pas dans la pratique de n'avoir aucun lien avec l'école, parce que moi, je pense personnellement que c'est regrettable, mais c'est un exercice qui peut sembler difficile. On ne peut pas dévoiler le diagnostic. Et c'est pour ça qu'on n'envoie pas directement les comptes rendus à l'école. Et à l'inverse, l'école ne doit pas faire pression pour obtenir les comptes rendus, parce qu'en fait, tenter d'obtenir des données soumises au secret médical, c'est aussi puni par la loi. Donc du coup, vous voyez, c'est la loi française qui est faite comme ça, donc il faut vraiment s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun échange qui est possible, mais ça veut dire qu'on va vraiment se fixer, et ça peut-être que l'intervention qui suivra dans l'après-midi donnera aussi plus d'éléments de réponse, parce que moi je suis côté du soin, mais on peut avoir le côté enseignant spécialisé qui va pouvoir nous aider, sur comment on peut faire aussi. Voilà. Séverine, est-ce que tu peux me dire combien de temps il me reste pour aborder la dernière partie qui sont les aménagements scolaires? Vas-y. Je m'adapterai en fonction de ta finalité. Et puis, je vois qu'il y a des petites questions intéressantes. Donc, on passera aux questions juste après, justement. Pour ma partie, on verra le temps qui me reste. Sinon, je ferai un enregistrement et je mettrai en ligne. T'inquiète pas, vas-y. Si vous voulez que je peux m'arrêter là. Mais si vous êtes intéressé pour les aménagements scolaires, j'ai cette partie-là. Donc, ça dépend en fait des participants. Je pense que c'est intéressant, vas-y, parce que c'est vraiment ton regard d'orthophoniste et il va être complémentaire à l'intervention d'Isabelle tout à l'heure. Ok, bon super. Merci Séverine. Alors je poursuis sur cette vraiment dernière partie de ma présentation qui portera sur ces aménagements scolaires qui, en fait, comme je l'ai évoqué, participent aussi à une prise en soin qui est globale et qui va aider et qui va même, permettre à l'enfant de progresser aussi, en plus de la rééducation orthophonique qui doit être concomitante. Donc la réflexion sur les aménagements scolaires, ou on appelle ça aussi des adaptations pédagogiques, elles émergent notamment avec le plan d'action pour les enfants qui souffraient d'un trouble spécifique du langage. Donc c'était un plan d'action mis en place par Weber et Ringard en 2001 et qui a été réalisé à la demande du ministre de l'Éducation nationale et du ministre délégué à la santé. En fait, ce plan d'action, il recommandait de créer des structures de diagnostic pour ces troubles spécifiques des apprentissages dans ce qu'on appelle des centres référents et de développer des structures de prise en soins, notamment les CESAD,
Donc, il y en a qui existaient déjà, mais c'était vraiment de le développer sur un, de façon plus, plus. De l'augmenter. Et il recommandait aussi l'aménagement d'une aide scolaire, représentée avec des auxiliaires de vie scolaire, AVS ou AESH maintenant, c'est le terme qu'on emploie, et de développer une pédagogie qui est adaptée aux enfants avec un trouble du langage. Donc, effectivement, développer une pédagogie, c'est quoi ? Bah, c'est des aménagements pédagogiques, des projets pédagogiques que l'on va effectivement citer par la suite. Donc, au niveau des projets pédagogiques, ils font partie intégrante de la réflexion sur les aménagements scolaires. Et il y a une première réponse pédagogique qui peut être apportée par l'enseignant ou par les réseaux d'aide, comme le RASED, avec un projet pédagogique personnalisé de réussite éducative. Un terme un peu long, qu'on pourra résumer sous le terme de PPRE, et qui en fait est un projet qui est adapté à chaque élève en difficulté, notamment avec une aide pédagogique apportée avec, par un maître E, une aide rééducative qui peut être apportée par un maître G. Et c'est cette réponse de prévention qui concerne des enfants, mais qui ne sont pas porteurs d'un trouble spécifique du langage, mais qui présentent des difficultés expliquées par d'autres facteurs, un facteur environnemental, un facteur psychosocial, mais pas forcément le trouble tel qu'on l'entend. Les enfants peuvent avoir des retards, des difficultés, mais qui ne sont pas liés à un trouble spécifique des apprentissages. Mais par exemple, un manque d'exposition au langage écrit, on le retrouve fréquemment. Et l'objectif de l'école, ou alors effectivement au niveau psychosocial, si au niveau psychologique, les enfants ne sont pas disponibles pour apprendre à lire, ils n'apprendront pas à lire, et ce ne sera pas parce que c'est un trouble spécifique des apprentissages, mais c'est parce qu'il y a une autre cause, telle que les aspects psychologiques. Donc l'objectif de l'école, avec ce projet-là, c'est de renforcer des stimulations, c'est de donner plus de stimulations scolaires et d'intervenir sur la dynamique familiale, mais pas de proposer des aménagements pédagogiques. Si les difficultés elles persistent, malgré cette aide pédagogique et l'intervention sur la dynamique familiale, un bilan orthophonique est recommandé pour un avis diagnostique sur un trouble spécifique du langage. Mais il serait quand même intéressant, comme on a vu dans le DSM-5, de proposer en fait cette aide-là pour se dire, les difficultés de langage écrit persistent malgré une intervention qu'on a mise en place. Alors, plusieurs réponses peuvent être apportées dans le cadre d'un trouble spécifique des apprentissages et elles seront différentes du PPRE. La première, c'est effectivement, en cas de trouble spécifique, c'est un plan d'accompagnement personnalisé qui s'appelle le PAP et qui doit être validé par le médecin scolaire qui s'appuiera sur tous les bilans effectués par les professionnels de santé. Et ça s'élabore au sein d'une équipe de suivi de scolarisation dont fait partie le médecin scolaire. Et ce PAP, il s'inscrit, comme pour le trouble de l'enfant, dans la durée et la valeur de reconnaissance du trouble dans le milieu scolaire. C'est un plan qui est transmis tout au long du parcours scolaire de l'enfant, année après année, établissement après établissement. Et en fait, le PAP permet d'établir les aménagements pédagogiques. Il y a une deuxième réponse pédagogique en cas de trouble spécifique, c'est le projet personnalisé de scolarisation qui est mis en place lorsque le trouble est reconnu par la MDPH. Et c'est toute la différence avec le PAP, c'est qu'effectivement, il y a une reconnaissance du handicap par une institution, qui est la Maison départementale des personnes handicapées. Et là, l'enseignant référent au handicap joue un rôle fondamental par son rôle de modérateur en fait, au sein de l'équipe et aussi par ses connaissances techniques des lois et des décrets. Et contrairement au PAP, le PPS permet l'obtention en fait, de la mise en place d'un dispositif d'aide humaine qui est l'AVS ou l'AESH, mais aussi d'outils techniques comme l'ordinateur et les logiciels, et aussi l'obtention d'une aide financière, l'allocation d'éducation spéciale ou encore AES. Et en fait, ce PPS il précise les besoins réels de l'enfant, ainsi que les moyens d'adaptation à mettre en place par l'école et les professionnels de santé. Par exemple, les aménagements d'emploi du temps, le tiers-temps, les aides techniques, les aides humaines. Tout ça, c'est décidé, effectivement, avec cette réunion de suivi, cette réunion d'équipe éducative. Et les besoins, ils sont évalués comment ? Avec peut-être un document que certains connaissent, le GEVASCO, le guide d'évaluation des besoins de compensation scolaire, qui est un document rempli par l'école et qui a l'obligation de le mettre en œuvre, de mettre en œuvre le PPS. Donc voilà, on a parlé effectivement de tous ces projets pédagogiques, mais c'est important d'en parler parce que ça inscrit en fait, et puis ça,
y a un écrit qui montre qu'effectivement, il y a un vrai projet et qu'on va avoir besoin, effectivement, dans ces projets, des aménagements pédagogiques. Et comment on définit ces aménagements pédagogiques ? Ben, on va quand même d'abord définir avec l'enfant, sa famille, l'école, les professionnels de santé, ensemble, les objectifs en fait, réalisés sur l'année scolaire. Hein ? Parce qu'en fait, on sait que le trouble, ce trouble spécifique des apprentissages, ben, il va durer, il est reconnu comme un handicap, et qu'on ne pourra pas normaliser, revenir à la norme ou atteindre en fait, le niveau d'enfants qui n'ont pas de difficultés. Et c'est pour ça qu'il faut notamment cibler un niveau de vitesse de lecture selon la sévérité du trouble. Je vais m'expliquer. Par exemple, un enfant en CM2 qui a un trouble spécifique, en fait, il faut cibler un objectif, par exemple, d'un niveau CE1 s'il a effectivement une sévérité importante, comme défini dans le DSM-5. Et donc, on va associer ça à un niveau... Un enfant CM2, on va essayer de cibler un niveau CE1 au niveau CE2, mais tout en atteignant un niveau de compréhension de l'écrit de CM1, de fin de CM1. Ça, voilà, c'est des objectifs qui sont clairs, précis à poser. On peut aussi poser un objectif qui serait celui de cibler un axe de travail en lien avec un autre. Par exemple, on va cibler l'orthographe lexicale en fonction du niveau de la vitesse de lecture de l'enfant. Ainsi, un enfant de CM2 avec une vitesse de lecture d'un niveau d'un enfant de CE1, et bien en fait, on va travailler l'orthographe lexicale des mots d'un niveau CE1, et non pas d'un niveau de CM2 comme il est. On va aussi pouvoir fixer comme objectif, ce sont des exemples, privilégier une matière, par exemple, au détriment de l'orthographe grammaticale. On ne va pas s'attarder à l'orthographe grammaticale par rapport à où il s'agit en fait de faire attention aux accords, mettre des S, les ENT. Il y a en fait plus important, il faut privilégier certaines matières qui sont plus essentielles. On peut aussi supprimer une langue vivante au collège pour avoir l'objectif de renforcer une autre. Comme c'est déjà très coûteux, pourquoi pas renforcer effectivement la première langue qui est choisie. Souvent, on préconise de ne pas privilégier l'allemand comme première langue vivante au collège, qui est une langue qui est différente effectivement des langues latines, et pour laquelle la correspondance entre le son et la lettre, qui est déjà effectivement à la base du déficit des enfants avec troubles spécifiques des apprentissages, et bien là, on va encore le mettre en difficulté. On va aussi peut-être se fixer comme objectif de faire écrire l'enfant tous les jours, mais plutôt en privilégiant des synthèses écrites qui sont courtes des leçons, c'est-à-dire quelques lignes et pas tout. Et enfin, un objectif, c'est de ne pas s'attendre à une amélioration du langage écrit, mais plutôt de s'attendre à une meilleure participation en classe ou à une amélioration des connaissances générales. Donc voilà pour les objectifs. Une fois que c'est ciblé, quels aménagements pédagogiques, de façon générale, je peux établir ? Et ce sont des aménagements pédagogiques qu'on va établir en fonction du profil de l'enfant. Ce n'est pas une liste de courses à appliquer, c'est vraiment défini, personnalisé en fonction des difficultés de l'enfant. Il n'y a pas un enfant avec un trouble spécifique d'apprentissage qui se ressemble. Il y a des profils, mais il y a aussi des particularités dont il faut tenir compte. C'est l'aspect contexte dans la démarche scientifique de l'EBP, où on tient compte effectivement du patient, de son environnement, de ses désirs, de ses valeurs, etc. Donc, un des premiers aménagements général qu'on requiert, c'est du temps supplémentaire, parce qu'en fait, c'est un aménagement qui est aussi à travailler avec l'enfant qui ne sait pas en fait comment gérer le temps supplémentaire. Ce n'est pas simplement en donnant du temps supplémentaire aux enfants que super, il va tout compenser. Non, il faut l'accompagner d'un renforcement méthodologique. Il faut lui expliquer comment est-ce qu'on gère son temps. Et ça s'apprend. Parce qu'en effet, avoir plus de temps, c'est inefficace si on ne sait pas s'en servir. Et surtout quand on n'a pas les capacités de s'auto-corriger. Autre exemple, c'est diminuer le nombre de questions aux examens. On diminue parce que justement, il y a le niveau du temps, l'enfant va avoir beaucoup de difficultés à tout traiter. Et autre exemple, on peut modifier la cotation de l'interrogation, du contrôle, par exemple avec corriger avec une double notation. On peut par exemple prendre une note sur les trois quarts du travail et une note sur l'ensemble du devoir. Et ça permet de se faire une idée de la note sans l'adaptation de ce temps.
Je vous ai mis d'autres exemples d'aménagement à lecture qui sont vraiment importants. Donc voilà, je vous les mets ici. Ne pas faire la voix à voix haute, alors, sauf si l'enfant, effectivement, il le souhaite. Hein, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Notamment, j'ai donné des consignes courtes et répétitives. Et ça, c'est à cause du déficit en mémoire de travail qui est vraiment associé et qui limite en fait la prise d'informations. Et puis, continuer de maintenir l'exposition au langage écrit parce qu'on a vu que ça permettait de renforcer et d'améliorer en fait les capacités de l'enfant. Et il ne faut pas tout supprimer. Il ne faut pas dire, bah oui, il a un déficit en lecture, donc je mets des béquilles partout. Non, il faut continuer cette exposition, mais de façon pertinente. En orthographe, voilà, je vous ai cité beaucoup d'aménagements qui peuvent être possibles. Et donc, continuer de maintenir, pour la même raison que le langage oral, le langage écrit en niveau orthographe. Privilégier un apprentissage sans erreur. Alors ça, vraiment, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut éviter les QCM. L'apprentissage sans erreur, il permet en fait d'augmenter l'attention sur l'information qu'on souhaite mémoriser, car il ne faut surtout pas en fait fixer une erreur et stocker dans notre bibliothèque en fait un mot qui est erroné. Et ça, il y a des études encore une fois, la dernière c'est Pierman et Springer-Charol en 2018, qui ont montré que cette interférence de l'erreur a l'impact, même l'orthographe, sur des adultes qui n'ont pas de troubles. Sur les adultes normolecteurs, sans troubles orthographiques, il va y avoir une interférence qui va se créer. Alors déjà, si ça se passe pour les normolecteurs, on ne va pas le proposer aux enfants avec un trouble. Voilà, on préfère aussi évaluer l'orthographe pas par la dictée, il vaut mieux évaluer la dictée. Si ce n'est pas possible, faire effectivement une dictée à trous. Donc, évaluer, vraiment, le must du must, ce serait évaluer l'orthographe sur une production spontanée et pas en dictée, et si on ne peut pas, dédicter à trous. Ne pas tenir compte des fautes d'orthographe, ça, ce serait aussi l'idéal. Et ça, ça vaut pour toutes les matières, pas seulement que le français au collège, mais pour tout. Et puis si c'est pas possible de ne pas pénaliser, on peut trouver une autre chose, c'est de cibler avec l'enfant les mots-ci pour lesquels on souhaite qu'il ait une orthographe correcte et attendue. Il faut cibler l'apprentissage de l'orthographe des mots en accord avec le niveau de lecture. Donc il faut bien faire la correspondance au niveau d'orthographe, niveau de lecture. Et effectivement, s'il a un niveau CE2, alléger la charge et l'exigence qu'on attend de l'enfant. Privilégier l'orthographe lexicale plutôt que grammaticale. Effectivement, moi, je préfère qu'un enfant, que je comprenne effectivement ce qu'il lise plutôt que de m'attarder sur le fait qu'il manque un S. Et enfin, limiter la prise de notes. Et ça, c'est encore une condition sur laquelle je vais vraiment insister, parce que la prise de notes, on fait deux choses à la fois. On est à la fois en train de mettre son attention sur ce qui est dit, à comprendre, et à la fois l'attention du geste de production et d'écriture. Et en fait, on est dans une situation où l'enfant il est en surcharge et il n'arrive pas à gérer les deux. Donc, limiter cette prise de notes. Comment est-ce qu'on peut aussi limiter la prise de notes? En privilégiant les supports dactylographiés qui peuvent être donnés par l'enseignant, de préférence à l'avance, quand ce n'est pas possible, de pouvoir aussi autoriser les devoirs qui sont faits à la maison, autoriser la remise des devoirs sur une page dactylographiée qu'il aura tapée à l'ordinateur. Surtout s'il y a un trouble de l'écriture et du graphisme qui est souvent associé, et autoriser aussi l'utilisation d'un ordinateur en classe si le trouble du graphisme est très invalidant. Voilà, on arrive vraiment à la fin de la présentation avec les moyens d'adaptation qui sont en fait le recours à ce type d'aménagement signifie que le plus souvent le trouble résiste aux interventions pédagogiques et rééducatives orthophoniques, et que ça invalide vraiment l'autonomie scolaire de l'enfant. Et du coup, quels sont les moyens? Il peut y avoir l'utilisation d'un ordinateur ou de la tablette. Ça, c'est utile pour soulager le graphisme, corriger l'orthographe, organiser les informations et aussi motiver l'enfant. Mais attention, on peut croire que ce n'est pas une recette miracle parce que ce n'est pas facile de mettre en place en fait, ces outils-là numériques. Parfois, ce n'est pas accepté par l'enfant qui veut pas vivre, qui ne veut pas le vivre comme en fait une stigmatisation de son handicap. Et quand il est accepté, chouette, super, mais les supports pédagogiques, ce n'est pas souvent adapté, l'enseignant n'est pas forcément formé au logiciel de compensation qui est utilisé par l'enfant, et ça demande quand même une logistique. Et puis aussi, les logiciels que l'enfant doit maîtriser, ils doivent être travaillés en orthophonie ou en ergothérapie.
puisque là, on est sur la compensation d'un handicap. Autre moyen, c'est l'intervention d'une AVS, une auxiliaire de vie, qu'on appelle maintenant AESH, et qui est considérée comme un moyen qui permet à l'enfant de s'adapter à son trouble en classe. Et ce professionnel, il intervient en aidant l'enfant à faire face à ses restrictions d'autonomie dans ses apprentissages. Il doit l'aider, il ne doit pas faire à la place d'eux. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment beaucoup discuter, et dont il faut vraiment discuter, et aussi voilà, faire comprendre à l'auxiliaire de vie que ce n'est pas non plus à elle de faire, mais elle doit être aussi vraiment dans la pédagogie de s'adapter à l'enfant. Et enfin, un moyen qui permet l'adaptation de l'enfant, c'est une structure spécialisée, hein, type ULIS École, ULIS Collège, qu'on appelait anciennement les CLIS, qui sont en général spécialisés en fonction des types de troubles neurodéveloppementaux. Mais en réalité, il y a très peu de structures qui sont vraiment, par exemple, uniquement dédiées au langage, uniquement dédiées aux troubles spécifiques des apprentissages. Il y en a quelques-unes, mais elles sont très, très rares, et c'est vraiment, effectivement, à démocratiser et à développer. Et enfin, quand ils sont plus grands, là, je pense, effectivement, au lycée, faculté, un des moyens d'aménagement, des moyens d'adaptation, c'est effectivement le recours à un tiers-temps supplémentaire. Le tiers-temps, c'est 30% de temps supplémentaire qui est accordé pour pallier la lenteur de traitement qui est retrouvée dans les troubles neurodéveloppementaux, qui serait effectivement de 30%. Voilà pourquoi on a le terme tiers-temps. Et enfin, c'est le recours à un secrétaire pendant l'examen qui, effectivement, prendra en note l'enfant, là, il est grand, le grand enfant, s'il a effectivement des problèmes d'expression écrite ou de graphisme. Voilà, vous trouvez en bibliographie des ressources ayant permis la réalisation de cette présentation. C'est la fin, j'espère que j'ai bien tenu le timing. Voilà, je vous remercie vraiment pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Et c'est vraiment avec plaisir que je répondrai à vos questions, toujours si vous en avez. Voilà, merci.